N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Quand on pense aux liquides les plus chers du monde, on imagine généralement l'or, l'argent ou le platine fondu. Mais il existe une grande variété de liquides coûteux et intrigants sur notre planète, qui en termes de valeur dépassent largement tout ce que nous pouvons imaginer. Si certains sont utilisés couramment, comme l'encre d'imprimante et le vernis à ongles, d'autres sont plus rares, plus étranges, plus étonnants et plus précieux que l'or. Et c'est ce dont nous allons parler. Sans plus tarder, voyons quels sont les 7 liquides les plus chers du monde. D'ailleurs, d'autres sujets insolites et mystérieux vous attendent sur notre page Facebook Lama Fâché TV. N'hésitez pas à les découvrir. Allez, on commence. Le venin de scorpion est le liquide naturel le plus cher du monde, et en plus, il n'est pas nécessairement dangereux. Très utile dans les expériences médicales, il permet par exemple de déceler les tumeurs, de guérir les maladies osseuses et les inflammations. Ses vertus thérapeutiques sont sûrement encore plus nombreuses, car plus les recherches avancent, plus on trouve à ce poison des applications nouvelles. Mais c'est surtout comme détecteur de cellules cancéreuses que le venin de scorpion est précieux. Il faut savoir que celui-ci est de nature neurotoxique, puisqu'il assiège rapidement le système nerveux. Par conséquent, une fois que celui-ci s'introduit dans l'organisme malade, il circule dans les veines, gagne vite le cerveau et se fixe aux cellules nerveuses. Ensuite, il illumine celles qui sont gravement atteintes. Mais ce liquide luminescent coûte une fortune, et il est très dur d'en obtenir en grande quantité. Il est récupéré manuellement à travers une lente et laborieuse manœuvre. En effet, chaque séance de traite permet de collecter seulement 2 mg de venin. Alors il est normal qu'un litre de venin de scorpion vaut environ 10 millions de dollars, soit 5 dollars par sécrétion. Mais vous seriez naïf de penser vous enrichir par ce moyen. En réalité, même si vous possédez une carafe pleine de ce précieux liquide, vous ne le vendriez à personne. Tout simplement parce que les chercheurs préfèrent s'approvisionner auprès de laboratoires fiables qui détaillent les caractéristiques du venin, ce que ne font pas les amateurs. Le mercure rouge, cet explosif redoutable, combien de criminels en rêvent? Heureusement, ils ne peuvent se le procurer pour la bonne raison qu'il n'existe pas. Pourtant, cette substance de couleur rouge est toujours avidement recherchée par les truands et les terroristes, au point que des fortunes sont dépensées pour l'acquérir. Selon la légende, le mercure rouge entrerait dans la composition des bombes thermonucléaires, c'est-à-dire que l'énergie toxique libérée par l'explosion causerait des dommages aux tissus biologiques ainsi qu'aux objets électroniques. Ce mythe existe depuis au moins un siècle et son origine est hypothétique. En effet, on ne sait pas s'il s'agit d'une invention des Américains destinée à piéger des trafiquants durant la guerre froide ou d'une escroquerie de contrebandiers soviétiques voulant faire fortune. Quoi qu'il en soit, des échantillons de mercure rouge se sont vendus secrètement, à plusieurs centaines de dollars le millilitre. Il va sans dire que ces mixtures chimiques n'ont pas la puissance explosive qu'on leur prête. En réalité, elles n'ont aucune valeur et c'est une pure arnaque. Il y a 10 ans, en Arabie Saoudite, des commerçants roublards ont prétendu que certaines machines à coudre contenaient du mercure rouge. Elles furent vendues chacune à plus de 50 000 dollars. Preuve qu'on peut être à la fois dangereux, malveillant et naïf comme un enfant. En vérité, il existe une seule substance de couleur rouge composée de mercure, le cinabre. Celui-ci est employé dans l'art de la poterie, qui a peu de points en commun avec l'art de la fabrication d'explosifs. Cela n'empêche pas le mercure d'être toxique pour la santé humaine s'il est inhalé, notamment pour le système nerveux et les poumons. Voici un spiritueux qui n'est pas de la piquette. Il s'agit d'un whisky provenant du fût Macallan numéro 263, distillé en 1926 et embouteillé en 1986. Ce whisky, surnommé le Saint Graal des boissons, est tout bonnement la boisson alcoolisée la plus chère au monde. Dans la maison de vente Sotheby's à Londres, en 2019, un acheteur fortuné l'a acquise durant une vente aux enchères à 2,4 millions de dollars. C'est 3 fois supérieur au prix estimé de prime abord. Cette bouteille, qui est surtout un élément de décoration luxueuse, contient 700 ml. La maison de vente Sotheby's ne tarit pas d'éloges sur ce whisky, décrit comme le plus emblématique de toute la production écossaise et comme une pièce essentielle de toutes les grandes collections. De plus, elle promet une expérience gustative unique aux bienheureux qui boira cette ambroisie. Si l'on calcule, un verre de 15 ml équivaut 53 000 dollars. Sotheby's n'a pas révélé l'identité de l'acheteur, mais on imagine que la dégustation sera un moment solennel et festif. Difficile de parler des liquides les plus chers du monde sans faire mention de parfums. Celui-ci n'est rien moins que le parfum le plus cher du monde fabriqué à Dubaï. Le luxe et la démesure sont le propre de cette ville pleine de merveilles et qui évolue avec une rapidité folle. Le somptueux parfum Chumouk est la dernière création de la mode émiratie. C'est la quintessence de l'esprit de Dubaï, insérée dans une bouteille de 3 litres. Cette bouteille est sertie de 3571 diamants, de 38 carats, de perles d'or, d'argent pur et de topazes. Le coût de cette véritable œuvre d'art s'élève à 1,2 million de dollars. Il a fallu presque 500 essais de combinaison et 3 années de travail pour la conception de cette magnifique fragrance qu'on aimerait bien sentir. Créé par le président de Nabil Perfumes Group of Companies, M. Asghar Adam Ali, ce parfum peut rester 12 heures sur la peau et 1 mois sur les tissus. Vous vous demandez sûrement de quoi se compose cet or liquide,
Eh bien, de rares ingrédients prélevés des lieux les plus reculés du globe. D'ambre, de bois de santal, de bois d'agar indien, de rose turque, de patchouli, de musc et d'encens, entre autres éléments. Ce monument de parfumerie et de joaillerie mesure 1,97 m et on imagine que les milliardaires se l'arracheront. Connaissez-vous le Black Ivory ? Non, je le savais. Eh bien, c'est un café rare constitué à base de grains issus de l'estomac de l'éléphant et recueilli dans ses excréments. La chose paraît séduisante, n'est-ce pas ? En réalité, ce n'est pas une idée aussi farfelue qu'on pourrait le croire, car l'appareil digestif des éléphants est comme un cuiseur. Là, dans le voisinage des fruits et des herbes, les grains de café acquièrent une saveur douce, riche et nuancée. Les acides gastriques se chargent d'enlever l'amertume de ce café rare et coûteux, sachant qu'un litre de ce café coûte approximativement 800 euros. Le peu de contrôle sur la fermentation, puisqu'elle a lieu dans l'estomac de l'éléphant, la récolte artisanale et laborieuse justifie l'élévation de ce prix. Mais il y a un autre embarras assez drôle. Pour amasser ces grains dans la bouse des pachydermes, il faut encore que ces gros animaux ne défèquent pas dans les rivières. Une telle insouciance des éléphants cause bien des pertes financières. Donc pour obtenir 1 kg de ce café, les éléphants doivent avaler 30 kg de grains, semés dans leur ration alimentaire. Riz, bananes, canne à sucre et autres fruits. Vous aimeriez bien y goûter, pas vrai ? Ce café est principalement produit dans les forêts du nord de la Thaïlande et est servi dans des hôtels de luxe. Le plus célèbre fabricant de ce café est la société Black Ivory Coffee Company, qui verse 8% de ses recettes à une association protectrice des éléphants. Blake Dinkin, un entrepreneur canadien de 44 ans, a été l'un des premiers à concevoir ce projet de café. On s'est moqué de lui au début, et son café était comiquement surnommé le Crappuccino, ou Good to the Last Drop. Il a fallu 10 ans à cet homme et beaucoup d'argent pour trouver la bonne formule et faire taire les rieurs. Aujourd'hui, ce café est une merveille gustative. L'arôme est floral et chocolaté, décrit le Canadien. C'est le goût du malt chocolaté avec un peu de cerise. C'est doux et sans amertume. C'est comme un croisement entre le thé et le café. De même qu'il y a des parfums de luxe et des whiskies de luxe, il existe des eaux de luxe. C'est le cas de l'eau de Kona Nigari, dont la bouteille de 750 ml coûte 402 dollars. On pourrait croire que ces bouteilles sont serties de pierres précieuses alors qu'il n'en est rien. Elles sont d'apparence passables et on ne devinerait pas le prix à les voir. C'est le contenu qui en fait tout le prix. Alors, pourquoi cette eau est aussi chère ? Premièrement, c'est parce qu'elle est parfaitement pure. L'eau renfermée dans ces bouteilles est extraite des eaux profondes situées au large d'Hawaï, dans une dépression du fond océanique. C'est une zone inaccessible au moindre élément polluant. L'eau ne s'y altère pas au contact d'objets ayant été à la surface. Deuxièmement, c'est la technique de production qui est respectueuse de l'environnement. Troisièmement, c'est le bienfait de cette eau sur la santé. En effet, selon une étude de l'Université de l'Arizona, l'eau de Kona Nigari, riche en minéraux et en électrolytes, hydraterait plus efficacement que les autres eaux. Vous serez peut-être surpris, mais cette eau est très populaire. 80 000 bouteilles sont envoyées quotidiennement au Japon. Si vous souhaitez vous procurer cette eau, ce sera un peu compliqué car elle ne se vend pas en ligne. En revanche, pour 32 dollars, vous pouvez obtenir une version bas de gamme de cette eau chez Kona Deep. Le limule est un arthropode marin, spécial à bien des égards, non seulement parce qu'il possède 10 yeux, mais aussi parce que sa morphologie s'est conservée presque telle qu'elle pendant 150 millions d'années. C'est un fossile vivant, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout son sang. Il contient une propriété qui justifie son prix et son utilité pour l'industrie pharmaceutique. Le limule a le sang bleu. Cette coloration est due à l'hémocyanine, une molécule contenant du cuivre et qui transporte l'oxygène. L'hémocyanine est un pigment respiratoire au même titre que l'hémoglobine qui contient plutôt du fer et qui est plus répandu. Le sang bleu du limule facilite la détection de toxines bactériennes dans les vaccins et les médicaments. En fait, il coagule en moins d'une heure s'il est infesté par la plus infime quantité de bactéries. Le sang des mammifères, par comparaison, commence à réagir après 2 jours. Alors, vous ne serez pas étonné d'apprendre que le sang de cet animal coûte très cher. Le prix du litre atteint les 14 000 dollars. Imaginez qu'un demi-million de limules sont capturés chaque année et leur sang est prélevé directement du cœur. Ils sont ensuite relâchés, diminués et n'ayant plus que de faibles chances de survie. Malheureusement, la population des limules s'est considérablement réduite à cause de ces captures massives au point qu'elle est menacée d'extinction. Cependant, et tant que la recherche de substituts de synthèse n'aboutit pas, le sang de limule continuera à se vendre à prix d'or. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée divertissante. Quel est le liquide dont le prix vous a le plus étonné ? Dites-le nous en commentaire.